debout congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Bonza, le bienvenu na GKM Télévision, fidèles abonnés, chers téléspectateurs, na Pesibino, Matondo Mingi, na Boponi. GKM Télévision et l'ongone émission Debout Congolais. Mongongo, ya Samba, Olonga, Pona Komelabino, Basango Yamai, Eleka Kanakati, ya République démocratique du Congo, pe na Nzinga Nzinga, Bipa, Nyon Sobozoa, Mito Bisika, Nyon Sobino, Bozo Landa Biso. Na pesibino matondo mingi po na fidélité pe confiance na bino boyebi malamu ete yambo émission oyo e banda na zakana tina ko rappeler na biso ete justice yonzambe moto mokote a échappaka na contrôle nango même si ça tarde yeba yango ke nyonso biso to salaka to yebaka na kufuta ka yango soki yo mibengi yanke o mibengi puissant Topé omibengi malin, yeba moto azali malin koleka yo azali, yeba misu oye mona kanan bisika bibombami ezali. Mabe nyonso to salaka, to sala yango nankuku, to sala yango nampoasa, to sala yango nanko, to sala yango na lolenge nyonso to kosala yango, to yeba kana kufuta yango elinko luba ete, justice yanzambe moto mokote aishapaka na kontrol na yango. Sala kaka malamu po nyonso yozo kolona, okobuka yango soki na se a moyo te yeba yango ke même dans l'au-delà même ta progéniture finira par payer les prix ya ba acte na yo ya mabe yo ozali koposé. Voilà, j'entre très rapidement dans l'actualité qui m'amène devant vous aujourd'hui. L'actualité elle est riche mais certainement elle énerve plus d'un congolais, ba congolais nyonso bazali toujours à l'unanimité te akulanda ka basango mikolonyo so tant tuza koyeba ke pesaka kanda tokolobela yambo likambo etali controverse na makambo etali contingent kenyan oyé na cadre ya brigade ya EAC communauté des états de l'Afrique de l'Est oyo baye pona likambo etali insécurité ba makambo etali éradication ya ba mouvement à l'est ya République démocratique du Congo. Kakofonie ezali ko régner autour ya ba propos. Tolandi malamu likambo makambo oyo responsable ya contingent kenyan à lobby. Deuxième troupe na bango euti koya ya 100 autres militaires baye ko s'ajouter au total c'est 900 militaires au bazar attendu na compte ya contingent wana. Kasi malobe bimi na munoko na bango eza censé ko contredire battante ya peuple congolais na logique oyo République démocratique du Congo azali ko accepter nango ba force étrangère na sol na ye yango ko zala question liboso to ko aborder na bino na kati ya émission to ye ba tozali ko kende wapi na force régionale qu'est-ce que la RDC peut faire dans une telle situation le président de la République Félix Tshisekedi a-t-il commis une erreur d'avoir accepté que ba force oyo ba kota na kati ya République démocratique du Congo. Faut-il revoir likambo oyo etali ba force oyo bazali na sol na biso tango bon bazali koyebisa biso ki privilège bazali kopesa yango na dialogue privilège ba pesi yango na ba pour parler ya Nairobi pendant que bango bazali ko assurer que bango Goma ekotombete rempart na bango ezali Goma. Na kanisi bolandi makambo ebele ezali ko tourner tout autour. Point ya liboso to ko aborder biso na bino na analyse to ko sala sika ezali ya ngo wana Emmanuel Macron pe azali ko soutenir processus ya Nairobi na ya Luanda azali ko senga na ba M23 ba déposer minduki na bango po ete ba kende ko résoudre processus o na lolenge ya kimia c'est-à-dire na ba pour parler topé na table ya négociation n'est-ce pas là une hypocrisie de la part de la communauté internationale qui veut encourager les rebelles à avoir une position de force avant ba kende ko négocier wana pe zali makambo to kolobelango na kati ya émission oyo to kolobela pe na kati ya émission oyo ba
terroristes mitano bakoyaki na maboko ya ba filet ya ba gene d'autodéfense bango basilaki bon kokanga bango baza au total 5 terroristes ya armée rwandaise na ougandaise bazali mitano mibale bazali ba rwandais misato baza bongo identifié comme des ougandais bango bakoyi na filet ya ba gene oyo bazali ko se constituer en groupe pona ko défendre ekolo na bango to kolobela émission na but yango na émission na biso awa. Et puis voilà, nous allons parler de la situation au front, comment nos FARDC bazali ko se comporter ba nouvelle ezali ko kweya bipa inyonso ba informateur ba komi ebelé ndenge boza ko constater yango qu'est-ce qui se passe au front aujourd'hui. Nous venons de recevoir les bonnes nouvelles que notre armée a encore avancé, ba récupéré ba zone ebelé ezalaki na maboko ya ba armée rwandaise na kati ya territoire ya Kibumba, na kati ya Kibumba dans les Rutshuru bango ba botoli yango na maboko ya ba M23 o ezali armée rwandaise. Pe na minute to zali koloba la police elongo na FARDC bazali kosala ba inspection na bango pona ko rassurer population. Nous allons parler de cette situation à l'est et puis retour. Ya ba avion de chasse o bato bazali koloba limwe ebungi eza komona na te, ba avion de chasse ezongeli bongo kosala musala na yango na momoto ya koloba balobi ke ba M23 bazali en deux badates. Notre actualité c'est aussi cette suite donnée à la cohésion nationale. Tokolobela likambo oyo olenga nkoyi alobi na sima ya kokutana na Martin Fayulu Madidi qui a traité Félix Tshisekedi de traître à la nation, mutoyo asali haute trahison, qui a été nommé par Joseph Kabila et Paul Kagame. Olenga nkoyi bokolanda ndenge bokolanda vidéo na kati ya émission oyo alobi ke après rencontre na yena Martin Fayulu, Martin Fayulu azali disposé ya kokutana na Félix Tshisekedi na cadre ya koluka bomoko, na cadre ya koluka kimia. Bonne idée ezali intérêt ya olenga nkoyi kozonga na scène politique, ezali distraction ya Fayulu kolinga ko distraire opinion po bato balongola makanti na bango ko s'intéresser na makambo etalie po na koluka image na ye ya homme politique. Mituna bozali ko mituna biano ezali na kati ya émission oyo. Voilà, ça sera tout au biso to kolobela ngai na bino wana metro suki sa pété parenthèse ezali le kambo ya ONU contingent mususu ya ONU esali ke masasi ebeta na tongo ya lelo na Goma. Masasi eleli na Goma selon bato ya MONUSCO balobi babandai koluka ko se frayer chemin po bakoma na Nyirangongo yango babeta ki batir ya sommation. Quoi de plus inquiétant que dans une situation un peu confuse aux populations, azali ko bunda fak a de fake news qui sème la psychose au sein de la population, MONUSCO aya ko beta lisusu masasi. Toko suki sande na likambo oyo, etali sango oyo ezaki ya tongo ya lelo na kati ya ville ya Goma. Encore une fois de plus, na pesi bino matondo pona confiance au bopesaka na chaîne OGKM Télévision, confiance pe bopesaka, toujours na émission Debout Congolais, bisika bozwami tombola bendele, bendele ezala toujours l'écolo, ozala na Europe, ozala na Amérique, ozala na Afrique, na Asie to na Océanie. Soko za Congolais, pembe ni to musika biso nyonso esengeli to zala FARDC na motema. Soko za mbala no pe ya liboso, o rejoindre émission Debout Congolais, oza kolanda awa samba olonga justice Musha Mesu na vrai nom ezana se itando na yo. Abonnez-vous pour devenir membre effectif de Debout Congolais. Surtout, surtout, ne manquez pas à partager notre actualité, commenter, envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos SMS, vos messages sur WhatsApp, vos suggestions. Dengue vos messages ko sala ngo to landa kabino. Bozo reprocher ngai ke nazo répondre te mais boye baka ke message nyon se kotaka to landa ka yango vraiment eza noté pe to lobilaka le plus important tango to abordaka actualité na biso. Voilà, je venais de vous délire, de vous le dire tout à l'heure na sommaire et actualité na biso ke armée kenyan ndenge esila ki koya na lobaki pe na tina na émission ou te koleka ke boye ya armée kenyan ezali sous haute surveillance ya population congolaise.
Nous n'avons plus le temps de les répéter que les Congolais, toutes catégories confondues, la majorité, sont opposés catégoriquement à la venue d'une force étrangère sur les sols congolais. Mais la diplomatie congolaise, parce que le Congo est un pays dans un continent, et ce continent-là est dans la planète qu'on appelle la planète Terre. Tout ça obligé, toujours, il y a cause là devant, bah fait, tout devant réalité diplomatique. Ata tolobi que tout s'assurer na armée na biso pour na défense ya ekolo na biso, nous serons quelque part obligés de faire entendre notre voix dans le continent africain et au monde entier bah ibapé que Congo azali na situation moko azali ko réclamer. Après des protestations, après des avis divergents, après ma point de vue, après ma critique sur la diplomatie à présent de la République, tout cela qui bongo komona force étrangère oyo yé koko ya namboka na biso balobi ezali na compte ya EAC. Pour ne parler que de force ya EAC, tomoni ba Kenya bayaki. La première fois où bango bayaki, le président de la République avait clairement dit avant bango bayaki bakoko te la part Bunagana et tango baza koya kokota ezali pona mission moko offensive bazoya pona ko attaquer bino moko boyebi suite. C'était la réponse donnée au journaliste qui a interviewé le président Félix Tshisekedi sur les Kambouya ba M23 na les Kambouya etali force régionale. Notre inquiétude s'est basée na situation to monaki lorsque ba force kenyane eyaki pour la première fois. Rhétorique na bango ezalaki satisfaisante te par rapport ya ba tante ya ba congolais. Bango basili bongo koloba ete biso toye toye na no bitumbate toye pona ko créer zone moko tampon pona ko éviter que des escalades ezalate entre les M23 na armée ya FARDC. Tozo pe sa chance na ba pour parler au Isa na Nairobi. Vraiment ces propos là ont choqué la majorité des Congolais. C'était une déception par rapport ya ba tante bato ba mekaye ko zala ouvert bazala ki modéré par rapport ya force wana ba monaye ke o ekomi maseki. La force kenyane qui était venue a fini par sortir par la même voie o ba yelaki ba bimi pe na bibundeli na bango ba kei pour revenir par la voie officielle ndenge mission na bango ndenge ba prévoyait ndenge pe porte-parole ya gouvernement alobaki. Même si toutes les informations ne sont pas à notre disposition kobima na bango et créer les sous-sous des escalades, les tensions ont augmenté. Balobaki ke bakozonga, le gouvernement avait affirmé que force kenyane e kozonga, force kenyane eyé. Les premières prises de parole général Chiko Tshitambwe oyo azalaki représentant ya FARDC na makambwana etali collaboration na ba force régionale alobaki clairement ndenge na tali saki yango na émission elikaki que mission ya force oyo toyambi awa ezali mission moko offensive baye na mandat moko offensive pona ko traquer ba mouvement rebelle oyo bazali ko servir à l'est la République démocratique du Congo. Ba yende pona ko attaquer ba ye bitumba. Pas autre chose, ce sont les injonctions au biso toyoki. Mais c'est après pona za ko la sabino vidéo kala mingi arrêté boyoka comment makabo zali ko kende. Que toza ko yoka que le militaire censé peut parler mais être beaucoup plus actif. Ba changer nango ba propos te ba zongeli kaka ba propos na bango oyo ba tenaki lorsque ba officier ba yaki la première fois. Suivez d'abord la vidéo bino moko bolanda nan et puis je reviens.
Voilà, comme vous venez de l'entendre, les militaires kenyans représentant na Bango a bandi pe kokota na discours au ezali politique. Alobi ke Bango baye mais bako bandana ko s'attaquer te na ba mouvement rebelle baye pété principalement pour na M23 mais Bango baye uniquement na mission batindi Bango ba pesi privilège priorité na ba pour parler à Nairobi parce que des fois la violence la guerre n'est pas la solution pour na Bango ba lingi couper ça na nous chance na ba pour parler wana pour na pour retrouver paix si ça ne marche pas nde Bango ba kokota siko na mission ya ko agir dans la force wana ezali fait makambo wana na kantibino nyonso bosi bolandi yango ndenge tolobi yango. Maintenant, essayons de réfléchir ensemble. Armée, bah militaire, bah y a une exécution, y a une mission précise. Force kenyane, ezako ya, au total, bah militaire au baza attendu, baza 900. L'armée congolaise compte plus de 100 000 militaires. L'armée congolaise, pour ne pas donner les chiffres exacts. La force kenyane déployée en République démocratique du Congo en mission pour traquer le mouvement rebelle, ils allaient à 900 au total au bazar attendu. Donc la force kenyane censée venir à 900 parce que au préalable on a dit que le pays où il est disposé à côté d'un contingent à Bango, le Burundi, où le militaire n'est pas allé déjà, l'Ouganda était déjà en collaboration avec les FARDC, Baza qui traquait l'ADEF, il n'y a pas de souci sur ce point-là. Le Sud-Soudanais, et puis on en passe. Mais, et là, quoi ça qui inquiétait les Congolais, ils allaient rhétorique Oyo, tout comme Koyoka. Oyo ezali na risque ya komema biso na routine oyo MONUSCO a memi biso nango pendant deux décennies d'affilée. Awa toza koloba awa ba militaire kenyan mbongo deja baza banda kufuta bango parce que na momo toza koloba awa soki ba militaire baye ba jour ba bandi kotanga mikolo na bango ndenge baye mission. On parlait de finances. Ndenge nini ko solana ba partenaire, ndenge nini force wana e kozala alimenter, ndenge nini ba kozala payer, combien de temps ba kozala, comment e kozala réglementer, collaboration e kozala ndenge nini na FARDC. Maintenant, on constate que force kenyane eye. Mais ba isengeli ba vanda. Chose grave. Ba ye na moment moko tension ezali kolo. M23 aza ko menacé a créer ba a multiplier ba fond frontière efongwami ba rwandais l'armée rwandaise a fait entrer ses troupes de force spéciale aza ko côté la bango l'armée ougandaise à son tour fait entrer aussi des militaires via Bunagana la force kenyane ba ye ba lobby assurance obiso toko ko pesa bino toko protéger aéroport ya Goma e ko tombété. Donc, quelque part, on constate que, et comme Koko Maloko la comédie, des militaires qu'on attendait pour combattre viennent encore avec des leçons morales, des leçons politiques à nous donner, alors que ce sont des politiciens qui ont leur tâche. Bah, militaires, bah, dans le langage, bah, politiciens, bah, comme un discours, bah, qu'on a rassuré, bah, tout en demeurant sur notre sol. Certainement, ce qui commence à se faire ici avec les contingents kenyans, ils allaient quoi assimiler Bango automatiquement na échec Oyo MONUSCO a joué na sol congolais. La MONUSCO aujourd'hui est en train d'errer sans savoir précisément ce qu'ils doivent faire ni à quel sein se vouer parce que du sommet à la base ils sont déjà vomis. Les Nations Unies au Congo n'a plus sa place. Mais Nations Unies menées le Rwanda n'a pas ça là awa ce qu'on est en train de voir. On constate que la même politique des Nations Unies qui consistait à avoir des hommes inutiles dans un territoire sous insécurité est en train encore de planer na katia force régionale Oyo, Ezali parrainée par les Nations Unies. On constate ici que le piège
qui nous est tendu, et ali piège moko ya ba puissance oyo bazu Nations Unies en otage. Nous savons tous que Nations Unies ndenge zaboye, soki ezako fonctionner malamu te, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Grande-Bretagne, pour ne pas parler aussi Chine, Russie et les autres, sont les responsables oyo bazako sala. C'est le point principal bazako sala que Nations Unies aujourd'hui ait manqué crédibilité à travers le monde entier. S'il faut parler du contexte ezali contexte congolais, tout le monde entier a constaté l'échec du mandat et du contingent le plus lourd de la planète, il y a Nations Unies dans un territoire donné. C'est-à-dire au Congo, après 20 ans, les Nations Unies se déclarent incapables de stopper, de mettre fin à une force terroriste qui n'a pas les mêmes éléments, les mêmes volumes, les mêmes nombres d'éléments aux Nations Unies. M23, il y a combien? L'armée Oyo Tozanango a force d'occupation Tozanango a aux Nations Unies bazalaka combien armée rwandaise ezana combien donc on comprend ici clairement que le complot est dessiné et même ce qui a été décidé à Nairobi combat Oyo Tozali ko mener na minute combat Félix Tshisekedi aza ko mener ezali face ya bato yo balingaka toujours ko maltraiter ba texte pour aller au-delà de ce qui a été prévu. Nous avons tous assisté na ba recommandation, nous avons tous vu ce qui a été dit à Nairobi. Batonyon so ba sepelaki. Balobi que tozali ko sala appel na ba force nyon so rebelle, ba mouvement nyon so terroriste, ba se redire au baza nationaux, ba assister na processus ya paix. Ba au baza étranger, ba zonga na ba mboka na bango. Mais aujourd'hui, les langages commencent à changer. De manière à ce que Balongola biso na mandat offensif oyo ba pesa ki na force régionale balobi force régionale au départ mission na ngwe zalaki yakoya ko intervenir de manière radicale pour mettre fin à tout mouvement rebelle qui refuse de se redire. Mais banda balancé yango ce qu'on constate ezali monter en puissance ya ba mouvement wana. Ce qu'on constate, c'est une tolérance vis-à-vis à ba mouvement rebelle. Ce qu'on constate, c'est qu'ils ont avancé à ba mouvement rebelle par rapport à ma position à bango initiale. Qui trompe qui? Aujourd'hui, la France dit lancer un appel au M23 de cesser avec les hostilités, de retourner na ba. Et ça, la mawapi. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour endormir les Congolais. Parce que Balobi Yango, tout ça, aucun des 6 mois, 7 mois, Yango. Tu lances appel dans le mouvement rebelle, nous ne sommes pas cessés. Tu lances appel. Tu lances. Pendant ce temps-là, on dit au gouvernement et à une armée loyaliste, armée d'un peuple souverain, base à la stopper. Pour les terroristes, base à qu'on a peut battre les mains. Entre-temps, on est en train d'armer les M23 pour nous distraire. Je suis ici en train de réfléchir avec nos frères au Bazali Kokanisake. Félix Tshisekedi est tombé dans une erreur, a sali erreur moko grave, yako accepter que force régionale wana eya awa. Ça ne s'appelle pas une erreur, nous étions seuls contre tous. On devait que constater, tout en étant vigilant, tout ça bango devant un fait accompli. Vous vous imaginez aujourd'hui Bato Bazako condamné Tshisekedi que Félix Tshisekedi pourquoi il a accepté que force régionale aya ao. Vous vous retrouvez dans une réunion de la région, dans une réunion où l'Union africaine, toutes les organisations régionales, la communauté internationale demande à ce que bino bokende na voix o ya kimia. Yo okolobate ngai na boyi kimia wana bokoya na mboka na ngai te. Ça veut dire nous leur donnons une raison de plus. Oh bango ba koyi ko envahir biso na ba voix nyonso balobake biso to kokota te po bango ba boyaki. Félix Tshisekedi avait toutes les raisons de les amener dans cette logique là tout en étant vigilant et dans le respect de l'ordre et des principes établis. Ba engagement tozwaki tozwi ba engagement te toke ko trahir mboka po tozwa le sous force mususu étrangère d'occupation tocha. Tout ce qui a été décidé à Nairobi ou à Luanda a été clair, Félix Tshisekedi a rappelé en lui sous son discours naïe le kaki. Que biso, tout solo la ki, que ba mouvement au nyonso, il faut ba se redire. Faute de quoi, il faut tomber ma bango na violence.
Mais là, on comprend que la manœuvre de l'ONU qui tourne autour de la honte, c'est une manœuvre pour chercher une solution négociée qui ne sera pas profitable au peuple congolais. Solution Oyo Bango Bazoluka par des négociations. C'est une Oyo même certains ennemis internes, il y a RDC, Bazali peut appuyer Balobi dialogue. N'ayez pas honte d'aller négocier avec ces mouvements-là. Kabila longa ki bango, bino bozo ko kakolonga bango tengindengini aller négocier. Chers téléspectateurs, chers frères congolais, ne nous trompons pas. Tous à la biso nyonso na logique Oyo, président Félix Tshisekedi azui, sinon pas ça s'appellera une lâcheté légendaire. Si Félix Tshisekedi recule face déjà à la position prise de ne plus négocier avec ces mouvements-là terroristes, de ne plus faire des brassages, des mixages au sein de notre armée, c'est toute la République qui échoue, c'est le Congo qui perd. Et nous n'aurons jamais de paix. Dans l'avenir, c'est toujours ces mêmes positions-là, Yangonde Moutoko continuer à coexister. Le lobaza ko senga balobi bo senga bo solo na M23 bozwa bango boyoka bango chercher à trouver qu'est-ce qu'ils veulent, c'est ça leur logique au sein de la communauté internationale, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ba pays loko la France, je n'ai pour ne citer que ces pays là, les principaux pays bazali ko mona ke ko se libérer ya ba congolais, ezali échec pour na intérêt na bango, ezali nuisible pour na intérêt na bango. Si il n'y a plus de zones d'ombre au Congo, la France n'a plus de zones d'influence. Si Oyo aventure Kagame azako sala ba stopper yango et s'arrêter définitivement, ça veut dire France azana bisika koko baluke la kate. Mouke ba américain auto zako mona ba mitié au premier plan mais on ne voit rien de clair. Comprenons chers téléspectateurs que le moment ndenge tozako continuer koloba yango est très crucial, mais les solutions ne sont pas les solutions de l'impossible. La détermination des Congolais, la volonté, l'unité, l'amour de la patrie, ils ont des choses faciles. Ils ont des armes faciles, ils ont des Congolais, ils ont des choses sans trop d'énergie. Ils ont des choses qui sont des choses. Détermination, ils ont volonté, ils ont comme on n'a jamais avion de chasse pour bombarder les Congolais pour baboyer dans ma belle na bango. Si ils n'ont pas pu le faire pendant plusieurs décennies, si ba sala na république ba pesa yango combo ba tia ba carte na banda ko na bango ba lobby, c'est fait. Mais ce qui ba concrétiser yango te, ça veut dire que quelque part nous avons résisté. Nous sommes forts. Et on n'est pas à cet instant au bus to kende ko tiki la bango espace to lobby non ndenge bazo kende boye awa soki bazu goma esili. Mokekei, exilité, eux veulent nous faire croire qu'ils sont forts, vous devez céder. Bolanda ba discours ya bato. Soko yoki ka mutu pembeni na ya zolo ba ah bon, batike la bango kakati. Si foko solana bango, talaye malamu état d'âme nayi. Talaye malamu état d'âme nayi. Donc la communauté internationale sur le plan du droit n'a pas les raisons aujourd'hui ya koyebisa Congo état souverain que vous devez négocier avec des terroristes. Cela ne repose sur aucun principe moral ni aucun principe de droit. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays-là, bazan a tenté à négocier na ba terroriste, pe batika la ka jamais ko vendre na table la négociation na ba terroriste. Balobaka, il n'y a pas d'espace. Comment ces mêmes personnes-là qui sont évertuées bazan na tant ya koya ko vanter biso ba droit de l'homme et autres, bakoko pousser biso to ko discuter na mouvement rebelle ba genue biso po biso to comme faible devant un mouvement rebelle, ça montre la complicité, la dimension de cette complicité. Nous devant le monde entier, nous les avons placés devant un fait accompli. La communauté internationale aujourd'hui ne bombardera pas le Congo parce que le Congo a décidé de ne plus négocier avec les terroristes. Nous devons rester fermes. C'est à nous d'être unis, d'être solidaires, de nous concentrer sur notre armée. Makambouana ba militaire, ozo mona batunyo so bazo batela ba militaire na bango. Le président kenyan qui fait semblant de prier pour son contingent connaît les contours flous. Oyo bango bazako bombe, zako tinda ye ase katango nyonso na Kagame. Au moins Uhuru Kenyatta qui avait la sympathie de comprendre certaines choses. Mais à côté, il voit aussi les choses à sa manière.
Les Kenyans ne sont pas venus avec l'intention de mourir, laisser des cadavres na sol congolais sous prétexte que baye ko bunda pour mettre fin à la guerre. Non. Mais c'est une réponse que nous avons voulu donner à la communauté internationale qu'on n'est pas opposé à la paix. Si vous voulez nous aider, voilà les principes. Venez, montrez-nous comment vous allez faire. Mais ce qui se fait est contre les droits tokoyiko acceptés en Goté. Pendant qu'un mouvement terroriste avance, on nous amène encore un autre contingent soutenu par l'ONU pour s'asseoir dans notre sol. Pour qu'on vende chaque jour, matin, midi, soir. Quant à se créer encore la colère de nos militaires, parce qu'ils seront encore bien payés, bien nantis. Baza logé, baza la besoin de vacances, baza la obligé, soki ba oumeli, ba moussou baya, pour combien de temps? Donc, on comprend ici que la démarche vise à éterniser les cercles d'intérêt. Bango, pour na bango, ba comprendre que non, te, et loko, ceux qui te l'obit aussi de sangon, ba la moko, nous perdons rapidement. Pwe oumela, créons encore un processus qui va gagner du temps. Pendant ce temps-là, baza tozoloba, non, la force kenyane, on va envoyer, c'est le temps que nous allons encore perdre de plus en plus. Parce que Bakozalawana, ah, pendant que Tozako paie sa chance dans Nairobi, 6 mois et coquille. Eh, pendant que Basil si dans Nairobi, Basil va conclusion une année. Toko Kenaka wa Oni à Kotaka. Mission Zalakate a Kosala 20 ans à Congo. Mais tant que Baya Bakoki sa 20 ans d'ingeni, que des résolutions, que des traîtrises, le lot, même les forces invisibles du Congo. Basi ba yini Congo ba drone komi ko kende ko kwe yango moko e kangami na banzete kweyi. Ça montre que vous n'êtes plus basi ba boyi. Même la population ne supporte plus le mouvement de la MONUSCO. Mais nous amener encore des militaires qui seront assis ba vandi ba lobito zoze la processus à Nairobi, c'est créer encore la colère de la population congolaise. Ça montre que la communauté internationale ne prend plaisir aux morts du Congo. Chers frères congolais, l'erreur est grave. Le président de la République n'a pas commis l'erreur d'accepter le processus de force régionale. Les combats se mènent sur plusieurs fronts. Dans le front diplomatique, la démarche est que le monde entier ait que le Congo fait face à une injustice que nous ne devons plus cacher. Ce qui est le Macron, il faut stabiliser plusieurs villes, particulièrement Bounagana, retrait des M23, reprendre le processus politique qui doit être la priorité. Ah bon? Un discours de perroquet qui sait que ses intérêts sont ailleurs. Mais pour ne pas embrouiller Bisso, il se cache derrière ce processus-là. Oh, bango, bazali kaka, kocha manœuvre pour ezalanango clarté. La mission de la France dans le processus de Nairobi, c'est de créer des lettres mortes. C'est de créer un processus qui va s'éterniser pour ne jamais se concrétiser selon la pensée initiale. Chers frères congolais, tout là, sous Pongite, il y a malamu oyebimaki na Nairobi, balobaki na Luanda, yango bakomi kote le melabalingi et s'appliquer te. La montée en puissance ya M23 ou ezali armée rwandaise, ezali komon li sa volonté. Il y a ma puissance au Bazali d'accord T, mauvaise foi na bango contre changement où il faut qu'on s'opère na Congo. Ce qui est vendu au candidat qui est allé Kambo à Tshisekedi, c'est que les Bazali ont été sabis sur na ba to ya mayele tout ça na bango na Congo. Balobi ba erreur, ba expert au biso tout ça na bango. Balobi Tshisekedi a commettre erreur de temps en temps. Il a été trop naïf d'aller vers Kagame, de croire à Museveni. Qui vous dit que Tshisekedi avait cru à Museveni à Kagame? Où c'était une démarche de droit, une démarche normale qu'un individu doit mener pour montrer à la face du monde que nasi na salaki. Le logo ya koyebisa Tshisekedi te ke zonga sima o bandela bo e bongo o to salaki. Aujourd'hui azako talisa bango processus nyonso ou sa to bandaki. Kimia o bolingi ko imposer biso lelo metala o biso to salaki. To salaki nyonso bolingi to sala lisusu ni. Nakanisi batebele bazako comprendre te signe où ils ont accompagné Félix Tshisekedi en tant que président de la République. C'est quelqu'un qui marche avec des surprises. Il a été élu. La surprise était mondiale parce que la majorité à Batouana, les lobes, ils ont décidé, ils n'ont pas été d'accord. À Doussoula qui est en train de se faire.
De la même manière que beaucoup de changements qui s'opèrent en République démocratique du Congo, ils ont fait beaucoup de surprises. Cette guerre-là, ils ont été fables. Tout est porte à croire que Ekozonga Kakabisike Utaki. Bateau baza ba initiateur ya guerre wana baza likolo ils vont bakobunda na bakobeta na mitu bango na bango et nous serons tranquilles. Donc pour conclure avant de mettre fin à ces points na koloba ke l'ONU, nous devons nous combattre nous Congolais, que ça soit au sommet, que ça soit à la base, pour que l'ONU ne puisse pas se remplacer par une force africaine inutile qui ne va pas préserver la paix, qui va encore assurer la continuité de la mafia au sommet de cette institution mondiale. Ça, les Congolais doivent dire non. C'est-à-dire dans nos protestations, partout où nous allons marcher, partout où nous allons dénoncer, disons non à la continuité de cette mafia qu'on appelle mission des Nations Unies au Congo. Les Nations Unies, bah, moni tosi to timbeli bango, tosi to yebi, milimo mabena bango, balingi balati sango siko yo forme moko qui sera noire, une force africaine. Ah, balo banabino ki me ezali solution na bino moko ba africain. Alors que c'est l'ONU qui plane derrière ça. Macron azana 4, Biden azana 4, bango nyonso bazana 4 ya force wana. Biso to la lisusute. Des solutions négociées, on n'en veut plus. La réponse a été déjà donnée. Bato bazako kanisake, bazako bangi sabiso. Non. Moi, je pense que même le président de la République, c'est pour ça qu'il a prêté serment. Nous sommes arrivés au stade où c'est la vie ou la mort. Nous avons accepté les sacrifices suprêmes. Dengue président de la République à Lobi, ango ba mapinga bazako prêter serment ba Lobi jusqu'au sacrifice suprême. Yepe en tant que commandant suprême de l'armée, aza devant un fait. Nous n'allons pas tout le banning, tout ça la marchandage. Il y a souveraineté na biso pour trouver des solutions négociées. Oh et copé ça n'ango paix durable été. Toutes les négociations où ils ont une tendance à côté de M23 comme mouvement congolais ne sont pas de nature à préserver la paix. Chaque jour qui passe, les Rwandais, les Alliés ont renforcé Baraya M23. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la manœuvre? Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, si le M23 est accepté comme mouvement congolais, bah négocier na bango, ce que eux veulent nous imposer, c'est un retour na katia poto poto wana. C'est potopoto wana o biso to kokota ezalini bato bazali ko banga belection bato oyo bayebi ke Félix Tshisekedi aujourd'hui sur l'organise des élections, c'est un démocrate et belé sort na bango politique eza scellé, ils ne seront pas dans la scène politique. La seule façon c'est de créer un processus de désordre engendré par de l'insécurité et ko permettre bango ke na kati ya ba mouvement na bango wana bakoya na ba revendication politique. Voilà, ceci n'a pas été fait et puis tout est à revoir. Waneza ba fantasme eza ko hanté, ba kabiliste belé ba ke ko rejoindre ame ya M23. Kabila, l'image de Kabila plane déjà dans les M23. Celui toza ko yeba te bitumbo toza ko bundango na banani et des Congolais sorciers sont dedans. Bizo toza ko c'est ennemi azaka ke extérieur. France, et maintenant Biden, bande konabino ba lesa kabino bi. Nous ressortissants de touchez pas à ceci, ba M23 moussous, baza Lubumbashi. Ba M23 moussous, Nakishasa. D'autres partis politiques ici soutiennent les M23. Nous allons avancer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bato baza ko kanisake eza facile. Pour cette fois-ci, ce qui bango bazo kanisake, c'est à Goma où ça va se jouer. Si ça arrive à Goma, ba yeba peke na Kigali peke kozala bongo. Eza ba fable te tozo beta. Soki bango bazo kanisa ki a Goma, cette fois-ci c'est facile. Ndenge bazo ka Goma avec facilité n'époque à Kabila, après à négocier, apesi bango biloko na bango ndenge balingaka. Apesi bango na ba garantie à kufuta ka bango tout le temps. Atikeli bango na mabulu ba timulaka. Que ça sera encore le même cas. Sachez que cette fois-ci, il y aura front aussi na Kigali. Au même moment à Goma, au même moment na Kigali. Et à Kigali, ça ne va pas durer. Deuxième point, tolobaki tolobela awa, eza makambo, o eza toujours ko continuer ko leka na front.
tout si l'appel est déjà lancé. Bo tolera quatre deux fois, ce qui, bo monique et tension est à monter, patriotisme oblige. Parce que tout ça, sous la tangue, on a sécurité. Ce qui osa peut-être journaliste, osa communicateur, osa sentir que, na moment où la patrie est menacée, bisognon so, fil patriotique, il faut être salak. Mais rien. Yo le binante, les journalistes libres, asa ceci, Italio. Cinq terroristes du M23, l'armée rwandaise, bakoué inafilé, y a groupe, y a bajen, y a autodéfense. Mais balé, baza ba rwandais. Donc, cinq terroristes, wana, bazui, bango, na, ba, organisation, ba jen, ba structure, ou y a autodéfense, y a bajen. Bango moko baki kokwe na batwana na maboko. Donc nous devons comprendre et la communauté internationale doit comprendre cela que la population congolaise est déjà essoufflée face à injustice oyo baza ko imposer biso. Eza suya ko yebisa mutute. So ki ba rebelle ba komi kokwe na filet ya population ye moko se ke toza ko s'approcher na situation oyo et ko za l'incontrôlable même pour na bango même pour na gouvernement congolais. Le président Félix Tshisekedi a lancé déjà appel à la mobilisation générale. Situation un peu semblable à ce qu'il y a au musée à Lansakiango. Mais, pour lancer, il y a musée un appel au Félix Tshisekedi à lancer. Et ça, il y a un appel à Kesseni. Un appel à musée, et ça le marque de manière désordonnée. Mais, awa Félix Tshisekedi a lancé appel à la jeune union Soyo Baza. Na désir ya ko servir drapeau ba kota na armée ba s'organiser na ba groupe de soutien na armée congolaise. C'est un appel oyo biso peut-être na niveau national toujours ye bango en plaire na ngote, mais déjà sur le plan international les gens savent que président Félix Tshisekedi assis à traverser ligne oyo salaka ke la plupart ya ba prédateurs ya ba nations au baza caché na kati ya communauté internationale ba pays criminel ba bomela kango ba président ya batu mususu. Ce n'est pas pour rien quand on constate aux mon ndenge za ko salema na bamboka mususu to lobi. Non, même ce qu'on dit autour de la sécurité de notre président va de pair avec ba acte oyé déjà zali ko poser. Ça dit ba terroriste ndenge ba zweli bango. Moi, je pense que dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des Koulouna, mais ce sont les Congolais qui doivent s'organiser. Parce qu'on ne peut pas continuer à nous imposer une situation comme ça. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire, et même nos morts ne constituent plus une actualité alarmante pour nous. Ba komi ko trouver na bango situation à Congo loko la situation moko normale ba sa ila kango ba discours moko fantaisiste. Non, la situation humanitaire, c'est une façon de se moquer de nous. Donc ces jeunes qui ont certainement fait ce travail na pesibino longo nyabozé belé boza ko komango, mais n'allez pas constituer des groupes oyo e ko banda ko servir de poids na ennemi. Parce que na moment o toza ko loba awa plus de 2000 comptes. Ndenge bino peut-être besoin pas information wana, ce sont les Rwandais eux-mêmes qui le disent. Plus de 2000 comptes dans les réseaux sociaux ezali ba compte moko ya mascarade ba compte moko ya ba Rwandais. Oyo Kagame a cotisé armé na ye numérique en jeu pour créer la psychose pour désinformer. Et le pire est que il faut seulement pas se limiter na ba Rwandais oyo bazali, mais ezape ko se limiter ezali ko s'étendre voire même na ba Congolais oyo bazali ko souhaiter que Félix Tshisekedi a échoué na ba décision azakozwa. Vous vous imaginez que les Congolais azali na téléphone na ye azali na ordinateur na ye a créé pe compte na ye azali ko véhiculer ba fausses informations contre la nation. Et Baza est belé dans la République démocratique du Congo. Les kabilistes et d'autres partis politiques dont on ne peut pas citer les noms ici. Bazali ko servir. Nananza ko tourna. Sous d'autres cieux, toza ko mona, Bazali ko pekisa terrorisme. Et ko sale mate que ba mona, terroriste abimise longinaye, moutou aza mouvement rebelle, abimise longinaye.
Mais awa tozomona wilingo ma azali ko utiliser Twitter, Facebook et tous les autres réseaux sociaux pona ko véhiculer ka message na ye. Des informations chaque jour aza ko intoxiquer bato. Est-ce que le gouvernement na biso ekoyoko sur la tena ba plateforme oyo pour annuler ces comptes là oyo ezali ko véhiculer message à mensonge, violence. C'est que biso ba terroriste oyo ya mboka na biso baza ba terroriste te. Ne peuvent être considérés terroristes ezakaka oyo bazokanga na France oyo tozomona pe musala mabe bazako sala réellement ezakomona na te ba preuve ezate ba terroristes ba koko déclarer terroristes kaka aux États-Unis occident ba nommé nde ba wana ba komi terroriste donc ba acte nyonso M23 sali oyo ezako sala ke ba classer na mouvement terroriste et pas gouvernement na biso ezali kolakisa mutu te. Donc comprenons, chers téléspectateurs, que l'ère est grave. Ce qui yopé aux alliés qu'on figure dans les réseaux sociaux, certainement il faut véhiculer un message aux alliés qu'on renforce conscience patriotique. Il suffit seulement qu'on tale dans les réseaux sociaux. Moi, les Congolais ou même les actifs, ils sont distraits. Quels sont les messages des Congolais? Les Congolais basan à Bangui qu'on véhicule un message aux Isakaka ou même à bas distraction. On attend le cola Oyo, tous les Congolais devaient avoir un seul message de paix. Mais malheureusement pour nous, toujours continuer qu'aux Alaka na batu Oyo, bazar se comporter le cola bébé. Information ya misatu Oyo, tobandaye kolobela awa, ezali concernant Makambo ou ezali koleka na front. On vient de nous signaler que le FARDC vraiment na mukolo lelo na ya jeudi. Situation ezali vraiment qu'on s'améliorer davantage. Pour ce qui disait la ville de Goma, l'armée vient de récupérer plusieurs villages. Il y a Nirangongo, Bazui, Kibumba, et ça n'a pas ya FARDC. Après usage, il y a avions de chasse, des hélicos de guerre. L'armée vient de récupérer tous ces villages là où ils agissent dans ma ya rebelles. Certainement, ce qui s'est fait dans Minito, ezali que l'armée et la police nationale bazali kokota pona ko inspecter bazako rassurer population baoba kimakete et le fait de faire des ces ako continuer il n'y a pas à s'inquiéter tant on a nos populations besoin information ko uta na armée te. On a donné l'information avant-hier que situation bazako annoncer na presse batubele bazako pesa bino balobi Goma elingé tombe. Non, l'armée a changé de stratégie. Les vidéos tozali komone ezako circuler, il y a même une vidéo bazako circuler balakisi o armée bango wana bazako kende tout ça. On prend des vieilles vidéos, on change de son, on véhicule les messages. Ba auteur ya ba vidéo wana ezali ba rwandais na ba congolais mususu. Oyo bazali na politique ya cadrage na désinformation. Objectif na bango ezako créer psychose. Vous tombez sur de telles vidéos, ne partagez pas. Bakolo bambala boni ke vidéo oyo za kozwa o moni ke zali utilité pour la nation moni ke za vidéo moko ya mabe ne partagez pas de tels messages yo wana mbangu na ba groupe WhatsApp ozo partager. L'armée se comporte bien na front. Notre armée vient de récupérer ba zone mususu oyo ezaki na maboko ya banguna baza ko continuer ko pourchasser bango. Objectif fo bango baza ko loba ke non il faut ba ya ko avancer ba ya suna Goma. Ça n'existe pas. L'armée a aussi ses tactiques. L'armée a ses stratégies. Bango nyonso oyo RDC lingaka kosala bango balukaka baye bayango. Soki bamoni ke armée aza en avance, bakoyambango soutien RDC, Union européenne, ayelboy, po baya koyeba nini oyo armée aza na kati ya kosala. Moi je pense que na moment oyo surtout oyo Congo atikali yemoko face ya ba prédateurs nyonso oyo bazako luka kwa mbuye biso na ba solution na marque na bango. Ce qu'il faut faire c'est d'avoir aussi ces secrets. Makambo na biso ebelo associé la MONUSCO. La MONUSCO va participer avec ses hélicos. Mabeliko na ba avion de guerre ya MONUSCO. Balobaki ke kokoka ko faire face té na M23, c'est une armée moderne. Lolemo ya secrétaire général ya Nations Unies Ezaki Kilo pour n'a cité Rwanda alobi bazan bibundelité ko permettre bango ke ba faire face na M23. Mais pourquoi la MONUSCO doit continuer toujours à aller là où il y a
ma position ya FARDC. Pourquoi la MONUSCO va continuer à babandi kotambola na bisika o eza yango te? Même le ministre de l'Intérieur RDC a bien que ça sous normal te que MONUSCO a continué à kotambola bisika nyonso. Kotambola na bango eza utilité. O toza ko évacuer ba déplacer. O tozo luka ba tozo mima ba déplacer na bazana situation inquiétante. Donc musala ya MONUSCO et comme ko zo akaba. Parce que ce système là tant que ça continue, système ya MONUSCO est pourri, est corrompu. Batwebele ya MONUSCO bazana kati, ce sont oyo bango mutu bazali ko aggraver situation. Soki ba agent na bango extérieur ba yebisi bango ke il faut aider le mouvement à amplifier ango. Ils vont se comporter de manière à ce que Munguna a progressé. Soki ba yebisi bango bo sala semblant. Bako sala semblant pour chercher que non toza ko soutenir FARDC tozo sala oyo. La MONUSCO se comporte comme un ennemi de la RDC. Il est temps backed. Banda pe balobi accélération à processus gouvernement, accélération à processus ya départ ya MONUSCO oyo. Tozo e batinate. Nandenge baza ko rattraper biso parce que awa nous risquons d'avoir encore des forces négatives pendant que MONUSCO nano abimite to moni force régionale ekoti. Ça, c'est une situation qu'il faut bien analyser parce que déjà la MONUSCO pose problème. Kokende na bango na nuna territoire na biso est commis difficile. Nations Unies a zo arrivé te ya kozala na politique sérieuse. Vous partez déjà, ba force ya EAC, yango et tomoni bango. Mais là, on se rend compte que MONUSCO a zako lukaka ba situation et koko permettre ye ki ba continuer coexister. Pauvre RDC. Finalement, mutu nyonso koya na Congo ezaka malamu. Mais kobima na Congo ekomaka lokola problème. Ba chinois baboya kokende. Ba bengana sonya rele ozana situation irrégulière azo kende te. Ba bengana ONU bobima. Ba komi ko bomela ngona ba congolais. C'est grave. Ça c'est une situation où congolais lelo soki a komi na situation ya ko réclamer justice. Je pense que eko dégénéré. Dans la situation Oyo, il faut que nos autorités disent clairement les discours de la République démocratique du Congo devant l'instance habilitée. Congo n'a pas autre chose que de l'injustice à modèle Oyo. Makambo nyonso ese bimi polele, nous ne saurons pas maîtriser la population naka Oyo bakoya ko exagérer. Parce que plus nous avons kende, plus makambo ezako comme exagérer. Félicitations na armée na biso na front. Pour un bateau, Azako Lukaba s'est fixé na front. Ce qu'on lingi information à faire d'essai, Azako Lekandenge ni ni makambo Azako Lekandenge. Zela bakano habilité. Awa tozo ko pesa information. Oyo baso officiel y armé Azako pesa. Ce qu'yo c'est peli ko s'informer auprès à Barouande. Après chelinga na commentaire au lobby, banani basali boy. Ah, c'est ton problème. Parce que les Congolais ont des sources crédibles pour avoir la information. Avec cette allure. Armée numérique n'a pas encore en marche contre le Congo. Même les journalistes, très très professionnels, les journalistes internationaux, baza derrière la manœuvre. Ce qui se passe aujourd'hui, le matin à Goma, doit encore nous énerver davantage. Tout le bas qui est dans le gouvernement, c'est un peu important. Pour définir une nouvelle feuille de route, pour déterminer l'action de MONUSCO. Nathan o esengeli babim. Loko la baza na processus moko ya transition et que présence na bango eza li susu voulute na population et komi ko énervé ba congolais. Il faut ko limiter ba mouvement na bango. Mais toza ko se rendre compte que la fois passée, il y a eu ce problème. Je pense à Kiwanja ou Nyarutinya ou quelque chose comme ça. Population interceptée qui le soussouka ka convoi ya MONUSCO ndenge wana. Suspecté ya kotambola na ba rebelle na kat. Que ça soit vrai ou faux, la population s'est vengée. Batumbi moko ya vengé na bango, la MONUSCO a été obligée de tirer encore les balles pour na ko disperser batu oyo bazayi ko s'attaquer na convoi na bango. La même situation s'est produite encore aujourd'hui. Ndenge tozolo banabino na Goma lelo na Tongo et salami le soussou. Population, ba moni li susu, konvo mususu ya MONUSCO, MONUSCO ezo leka. MONUSCO baza ko kende wapi, onote, toza ko luka ko se fraye chemin, poto ko mana Nyirangongo. Nyirangongo eza bisika bitumbezali, mais est-ce que MONUSCO, avant a se déplacer, azalaka en contact tete na ba
ba autorité oyo bazali na environnement wana. Est-ce que la MONUSCO n'a pas le temps d'être en contact na ba responsable ya police nationale ya armée na biso avant ba se déplacer? La MONUSCO crée encore une situation de panique, bazana katia kokende soki eza ya solo soki ya lokuta. Allez, affrontement les sous na population ma batu bazako ko attaquer bango bango ba lobi non biso tozo lokato ke nenirango population lobi bazali suspecté ya ko pesa ba rebel ba tenu ya ba sud-africain. Mais ce sont des choses vraies parce que c'est salama na MONUSCO tout le temps kozwa ka ba tenu eza ko kende na ba rebel MONUSCO eza asi azo mando ki azo kende ko tike la ba rebel. Il n'y a plus de crédit, il y a pesa na action à MONUSCO. Ata balobi que baza ko sala malamu luvumu ba kongole ba kondima lisusu te eza lokuta. Mais que notre gouvernement prenne ses responsabilités parce que situation ya panique ba tumusu ba yeba kite les autres ont paniqué sachant que c'est quoi alors que MONUSCO mutazo beta batir dans une zone oyo ezali zone moko ba tiango pe eza en rouge parce que ba tu baza en alerte bino boke ko beta lisusu ba masasi pour créer encore la psychose le matin. Certainement, cette situation de la MONUSCO, tout aussi, notre gouvernement doit accélérer, restreindre le mouvement de la MONUSCO, surtout dans la zone Oyo, Makambo Ezali, parce que Bazali sous voulu te. Ezakamala, Moussoki Bozako Yokana. Même la communication de la MONUSCO énerve de temps en temps. Mais si vous regardez que vous avez dit que vous avez créé un incident, pourquoi? Oh, nous avons dit. Donc, généralement, comme je venais de le dire, la situation est sous contrôle de nos FARDC. Baza qu'on continue de progresser. Ce que vous avez dit, c'est que l'information est passée. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Ce que mon information est satisfaisante, je pense que pour ceux qui s'inquiètent, c'est l'état bobele l'anzambe na bino ole ya kobanda ko luka babuke misère batunini oyo kobanda ko latisa ah soki basala ki boy soki basala ki boy. Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre, mais nous sommes obligés d'aimer notre pays, d'être derrière nos forces armées, c'est suffisant. Et dans un stade musu makambo ko maga, tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Yo lingi ko yeba mingi o comprendre mingi na suka nango obandi ko luka bato ko yina soki ti sekeda sala ki boy. Tous les Congolais deviennent experts. Et ceux qui s'évertuent à être experts en condamnant Tshisekedi, à Salaki Boye, traître, à Salaki Boye, ce sont les gens qui cherchent à tout savoir, même là où il ne faut pas savoir. Bolingwa mboka, batangi sakango motote, soko moni pendo komi koyina mboka na yo, yeba penda ya solo ke situation spirituelle na yo eza critique. Mitala bo motono malamu oza lié na Nzambe te. Zabo lupenda komi pembeni na yo. Nakana yeko suki sawa na likambo ya cohésion nationale. Eza babilo koyo, boyebi sakabiso ebele, batubaza ko linga koyo kango sute, natango toza traverse loko la oul. Le plus compétent, le plus responsable, l'homme qui a des ressources intellectuelles suffisantes pour diriger la RDC, veut rencontrer Félix Tshisekedi. Mais c'est une situation de distraction. Le plus compétent dont je parle, celui qui a toutes les ressources intellectuelles possibles pour diriger Congo, c'est Martin Fayoul. Mais ce que vous en avez besoin, c'est que vous allez adhérer pour aider l'armée. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez mobiliser les Congolais dans ce sens-là. Mais le cola na tango oyombo ezaka na mawa, ezaka ka opportunité pour na ba mususu ba trouver ndenge nini bango ba koyi ko avancer na makamu na bango. Olenga nkoyoto kanji soka sa kufa soka avandi na ye azane calme parce que olenga nkoyi ni mange bien chez lui. Mais akeko la muka kuna lisusu soki o sen sa balobi sen sa ezaka avancer pour na koluka processus ya cohésion nationale na pe. Mais quand on écoute un ananas, il n'a pas Fayoul. Et na kobi manaye Fayoul m'a dit. Suivez d'abord cette vidéo parce que ngapo nangé komi ko pesa kanda. L'histoire. Il faut aller envers tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble. Comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, c'est pas par rapport à sa taille, c'est sa capacité. Des raisonnements
pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous, nous avons pensé utilement venir voir le président Fayoulou pour discuter avec lui sur les Congos. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions de pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, pourvu qu'ils soient des citoyens de ces pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois du pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays. Vous savez, nous avons vu le Soudan. Les gens croyaient que comme c'était un dessin animé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Soudan est divisé. Il y a le Soudan du Sud, il y a le Soudan du Nord. Vous avez vu la Yougoslavie, comme d'autres pays ici en Afrique, qui ont le même menace que nous, comme Lumumba le disait dans son discours des années 60, que l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inévitablement lié. Voilà, chers amis, c'est pour ça que le CSA est venu toquer dans la porte du président Fayoulou pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, une très très grande ouverture. Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et où que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir. Il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Voilà. Bouti Kolandaye Malam. Martin Fayoulou est disposé à rencontrer Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi d'ailleurs, c'est qui a dans la procédure qu'on rencontre. Si Martin Fayoulou de lui-même avait souhaité akutanana Félix Tshisekedi, attendez la que le bourg a le même en zassal. Ce que les locaux moi Tshisekedi est comme l'évangile, oye, ce qu'attire qu'on prêche en quoi qu'on t'a l'eau. Vous allez maintenant, au Lengango, il aura la musale exacte à Kusala. Azo se retrouver nulle part. Il veut retourner dans l'actualité pour chercher du boulot. Pour s'en sortir, parce que musale exacte à Kusalema, il faut n'agende que Luka Fayoulou pour tout ce qui s'appelle bêtise. Ça s'appelle bêtise parce que les Congolais n'ont pas besoin d'entendre ça. Dans un seul jour, Fayoulou le loi déclaré tu sais dit que Azali incapable sur le plan mental. Azana ba ressources intellectuelles étaient suffisantes pour diriger le Congo. Après les jours suivants, yo le ngankoyo lobby Fayoulou veut rencontrer Tshisekedi. Vous voulez prendre les Congolais pour qui? Il y a des situations soko koyi na bamboka oyo bato bazalaka tolérante. Bato bazalaka facilité à kosakana na bango. Ou l'équipe a bête yo mabanga, tu ne peux même pas vivre tranquille chez toi. Mais parce que les Congolais sont très tolérants jusqu'au laxisme. Je ne souhaite pas beaucoup commenter sur cette situation. Binou moko ba Congolais bo commenter nango pe bo pesa bango réponse. Voilà tokomi nasuka ya émission na biso ndenge bo sili bongo kolanda yango. Tozali vraiment na casquette ya far descend na fond. Far descendé tozana ye na motema biso nyonso to se comporter lokola ba soda pour ekolo na biso. Vous avez toujours quelque chose à faire pour soutenir notre armée. Vous avez toujours un comportement, un type de comportement à adopter Nathan Obiso Tozali. Seul contre tous et la capacité que Biso Congo a échoué. Cette souveraineté qu'on nous a ravie. Ce pays qu'on a envahi pendant plusieurs décennies, objectif na bango ezaki ba balkaniser yango. Mais aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'ils ont raison sur nous en nous imposant des négociations qui ne vont pas dans le sens du respect de notre souveraineté. Peuple congolais, ne reculons pas. C'est le moment pour nous de nous arranger derrière le commandant suprême et le président de la République, Félix Tshisekedi. S'arranger derrière lui ne veut pas dire devenir son adepte. Ça ne veut pas dire qu'il est comme membre de l'UDPS. Ça veut dire qu'il est dans l'esprit républicain, qu'il est attaché à la valeur républicaine, qu'il est soutenir et qu'il est chaque fois que qu'il est en besoin. Il est bon moko, na bon lingo, le Congo na biso ke ko kende liboso. Si les acteurs politiques n'ont pas le courage de resserrer les liens du patriotisme. Biso ba Congolais, il faut comprendre que Nathan Otozali, le patriotisme nous oblige à nous ranger
derrière notre parti, à être des militaires pour nous, pour notre nation. Voilà na komi na souka ya émission Oyo na pesi matondo mingi na équipe technique ya GKM Télévision oyeza ya ndeko mbi ya chako azaki na sima caméra oyé te pozwa émission Oyo na pesi matondo mingi na papa Jean-Louis Timbalanga, maman Lisette Mumbendu, papa Boniface Mpunda, maman Bilonda, papa Kennedy Mukendi et tous les autres congolais boza ebele bolobi debout congolais aponabino en commentaire. Vous soutenez le FARDC depuis quelle ville? Force à nos vaillants militaires. Bisonyon so elongo, toyebi ke mboka na biso ekotika la biso. FARDC na motema, je vous dis au revoir. On se voit au prochain numéro.